gars, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo, c'est surtout la finale. On n'a pas été gay, c'est pas pour ça qu'on va pas faire la fête. C'est parti. On est ivoirien. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle fan zone pour vivre la finale de cette CAN incroyable. Le cadre est vraiment sympa. Oh, c'est incroyable. Devant nous là, on sent que l'ambiance elle commence à chauffer. Mais du coup, on va aller prendre la température. Allez, on se plonge dans l'ambiance. Le score pour ce soir, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est pas à discuter. Le score c'est 3-1. Donne 2-0. Oh, 2-1 seulement. La coupe reste, arrachez-nous. Ça bouge pas, mon Dieu. Ça bouge pas. Il est là, chaud. Oh, oh. On est à plus de 2 heures du coup d'envoi. Avec les bleus. Oh. Ensemble. Ça va? On va gagner aujourd'hui, les bleus. Combien? On gagne. Oh, 2-0, c'est tout. Hein. Ça suffit. Ou moi, ensemble. 2-0, la coupe reste. Ouais, ça reste. Voilà, c'est ça bon. D'accord. Il y a une petite ambiance plage ici. Franchement, c'est nickel. Allez! On va 2-0 pour la Côte d'Ivoire. On ne fera pas un éléphant deux fois. Jamais. 2-1, 2-1. Attention, les tapis sont pénibles. Pour la demi-finale, on vous disait qu'on sentait que les gens étaient un peu stressés, qu'il y avait un peu de retenue, etc. Là, c'est plus le cas. Les gens, ils sont prêts à jouer cette finale, littéralement. Vous voyez les gens, ils sont très, 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 très motivés, ils sont très optimistes. Et ça fait vraiment chaud au cœur. On va finir au pénalty comme à chaque fois pour la Côte d'Ivoire et ils vont gagner. C'est le moment de vous faire mon pronostic. Je pense que ça va être un match très serré, très difficile. Je vois un match nul et aller jusqu'au tir au but et un suspense debout et un arrêt cardiaque et la victoire de la Côte d'Ivoire. À mon tour de vous faire le pronostic, mais pour moi il est particulier. En fait j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que la Côte d'Ivoire elle allait gagner 2-1. Vive la Côte d'Ivoire dans ce stade des bénéfices. Tout le monde se lève pour vivre de la Côte d'Ivoire. Champion, champion, même si vous ne connaissez pas, manquez, manquez, c'est pas grave. Allez, mesdames, messieurs, les hymnes sont terminés. Maintenant, place à la vérité du terrain. Simon Dingol, le coup favorable. Pour Simon Dingol, malheureusement, ça frappe. Sixième minute de jeu et première grosse occasion pour la Côte d'Ivoire. Allez, on y croit là. Le tentative terminera. Le début de match est ivoirien, second ballon. Ceux qui se créent des occasions, faut quand même faire attention aux contres nigériens. Mais franchement, ça nous donne beaucoup d'espoir. On doit jouer la 35e minute ou quelque chose comme ça. Et le Nigeria a ouvert le score. Absolument contre cours du jeu. Aurier, il a le tort de ne pas jouer avec ses bras, de ne pas gêner le capiton. Troisième but. Là, on est un peu assommé. Hein. Mais il y a des gens qui sont trop motivés. 2-1. La Côte d'Ivoire, 2-1. Est-ce que tu es déçu de la première mi-temps? Non, jamais. On n'est pas découragé, on a trop vécu ça. Wabali qui va se coucher sur ce ballon. Quelle puissance de Franck Caissier. En ligne de la voix, le stade de Kouta Pano. Le dégât de la Côte d'Ivoire.
l'équipe va gagner. La Côte d'Ivoire mène toujours 2-1. On y croit, on y croit. Il va finir que la Côte d'Ivoire devait souffrir pour gagner. Et la Côte d'Ivoire a gagné. Et nous là, Amine et moi, on est plus marocain, on est plus algérien, on est ivoirien. Oh, je suis très 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 heureuse. On a maintenant 3 étoiles. Déjà la CAN c'est chez nous. La coupe ne bougera pas. La CAN c'est chez nous. La on est la Côte d'Ivoire, on est galice. Et voilà le trophée signé. Côte d'Ivoire est champion de pays pour la troisième fois de Côte d'Ivoire. Que vous dire? Franchement, on a beaucoup de trucs à vous dire. Déjà, bon, déjà bravo. Félicitations. C'est mais mille fois mérité. L'histoire qu'écrit l'équipe de la Côte d'Ivoire, elle est extraordinaire. Franchement, et l'équipe de la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Le peuple. Il s'était annoncé que ça allait être la plus belle CAN de l'histoire. Il fallait un scénario à la hauteur. Et je trouve que la Côte d'Ivoire a offert un truc, c'est hollywoodien. Incroyable. Donc déjà, bravo. Voilà. Deuxièmement, merci. Merci parce qu'on a passé un mois ici, un mois avec vous en Côte d'Ivoire. Vous nous avez accueillis, franchement. On ne sait même pas comment vous le dire, mais ce qu'on espère, c'est vous le rendre quand vous viendrez au Maroc en 2025, en Algérie un jour, c'est sûr. On espère vous rendre fois mille ce que vous nous avez donné. Bon, pour autant, les vidéos... Bon, désolé, on va avoir du mal à faire la conclusion. Du coup, les vidéos en Côte d'Ivoire ne sont pas pour autant terminées puisqu'on en a encore en stock à publier. On a notamment passé 3 jours à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. On est arrivé ce matin à Abidjan pour la finale. Donc on va vous partager une vidéo vraiment sympa sur cette partie de la Côte d'Ivoire qu'on allait découvrir.
et il nous reste encore 3 jours ici. Et on verra ce qu'on fera de ces 3 jours ici, parce qu'on part pas directement après la finale, on part que mercredi. Bon, en attendant, on espère que cette vidéo t'a plu. On espère que tu vas bien, que t'as kiffé ton match. On espère que t'es aussi heureux que nous. Et voilà, franchement, pas de doute là-dessus. On a passé un mois magnifique, une soirée inoubliable. Et une canne inoubliable. Franchement, on a trop kiffé partager ça avec vous. On a trop kiffé vivre ça. On espère que vous allez continuer à nous suivre dans nos aventures, parce que derrière la canne, c'est pas terminé. On continue. Et puis, ben, comme d'habitude, ben, abonnez-vous, commentez, partagez, c'est hyper important. Ouais, faites péter les likes, les commentaires, ouais, et tout. Là, franchement, il y a eu la victoire, il y a une finale de ouf, une canne de ouf. Là, faut faire exploser le compteur. Et on vous dit ben, à vite pour la prochaine vidéo. Peace.